Et salut tout le monde, c'est Golden. Bienvenue dans cette vidéo, vidéo Jap Invocation. Comme vous voyez, le portail de Freezer, Golden Freezer, est sorti. On est donc sur la version Jap. On va aller invoquer quelques petites caillasses dessus. On va faire la découverte du détecteur ensemble, même si j'ai déjà regardé un petit peu. Tout d'abord, petit disclaimer, comme j'ai pu le faire, et comme vous savez pas dans quelle ordre vous aurez, mais la version Glow, donc pour les invocations Golden Ultime. En ce moment, je suis pas très actif sur la chaîne, vous avez pas trop de vidéos ni de live. Et pour cause, actuellement, je suis en train de préparer mon déménagement. Je vais déménager ce mois-ci, donc je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour moi parce que je n'ai pas pris de congé et que ça se fait en dehors de mes horaires de travail. Donc, le travail plus la préparation du déménagement, autant vous dire que j'ai plus beaucoup de temps pour moi. Donc, c'est pour ça que vous voyez pas beaucoup de vidéos, pas que j'ai plus envie d'en faire. En même temps, il n'y avait pas trop de contenu, donc je sais pas ce que j'aurais fait, ça m'arrange un peu. Mais pour le coup, je suis vraiment embêté, question de temps, j'en ai vraiment pas assez pour la chaîne, donc vous comprendrez assez aisément que niveau priorité, il y a des choses qui passent avant, donc promis, une fois qu'on aura fini d'emménager tout ça, on refera des lives et des vidéos ensemble, et surtout que j'aurai un meilleur setup pour le faire, donc ça sera mieux. Donc ce mois-ci, il va pas trop y avoir d'activité, si ce n'est quelques invocations ici et là, et peut-être quelques lives, si j'arrive à avoir le temps. Voilà, voilà. Fin du petit disclaimer, on va passer à la partie qui vous intéresse, c'est le portail. Alors, qu'avons-nous dans ce portail? Évidemment, on a le Golden Freezer qui m'intéresse, même si son leader osait un petit peu pour moi, mais parce que j'ai non seulement le leader guerrier de l'au-delà, mais ressuscité également. Donc, bon, c'est plus pour la règle de la carte, quoi. Donc on prend, hein, évidemment. Par contre, on va invoquer, parce que ce que je vous dis pas, c'est que j'aurais pas invoqué si à côté il n'y avait pas eu des cartes qui m'intéressaient. Parce que là, ce Goku il m'intéresse, je l'ai pas sur la Jap. Je l'ai pas non plus, il me fuit. Donc il y a au moins 3 cartes que je n'ai pas sur le portail, donc ça c'est très intéressant. J'ai pas de doublon, donc je prends un doublon. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi. J'ai pas de doublon. Donc je prends aussi. Donc voilà, il y a quand même des choses qui m'intéressent pas mal. Bon, je sais pas si je l'ai à 100%. Pas encore, il doit pas être long hein, en tout cas. Lui il est 100%, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est la petite carotte du portail, mais on pouvait s'y attendre. Et puis après, elle reste aux F. Donc, on a, si je dis pas de conneries, 7 de Kenfest. Donc, il y en a 3 qui m'intéressent. 2, je prends les doublons, et 2 qui m'intéressent un peu moins. Donc voilà, on est quand même globalement intéressé par le portail. Je pense qu'on va lâcher 3-4 multi. Et on verra comment ça se passe. Hein. Et de toute façon, j'ai pas de quoi lâcher beaucoup plus de toutes les manières. Donc voilà. Souhaitez ma bonne chance, je vais en avoir besoin, je me suis fait un peu chier dessus pour mes invocations lors de la célébration mondiale. Enfin j'ai quand même eu le Végétopi, mais bon j'ai claqué énormément de DS quand même, hein. Et j'ai pas eu le Boutanks, ni l'autre Végéta, le portail légendaire, j'ai carrément rien eu, hein. J'ai lâché 350 DS, j'ai eu 0. Et merde, c'est des choses qui arrivent, mais bon, si ça pouvait s'arrêter là, on prend. Allez, souhaitez moi bonne chance, on espère que ça va tomber un peu cette fois-ci. Parce que sinon il n'y aura rien à faire sur la version sur le jeu. Bon, c'est pas que j'ai beaucoup de temps pour y jouer, de toute façon. Ah, 3 SSR ou un détecteur. Oh putain, on a gagné. On a gagné. Mais du coup j'arrête la vidéo là, qu'est-ce que je fais? Alors moi, faut savoir un truc, sur les grosses célébrations, je me fais enfiler mais comme jamais. Et sur les petites, par contre, j'ai tendance à choper la nouvelle unité du détecteur assez facilement. Bon, faut relativiser, hein. C'est pas à chaque fois non plus, mais quand même, je m'en sors pas mal. Mais là, voilà. Ouais, mais du coup, est-ce que je continue à invoquer? Voilà. Je te kiffe. Ça pose de beau gosse comme ça, là. Bon, je la fais pas aussi bien que lui, j'ai pas son charisme. Mais bon, on repassera. Bon, bah voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? First multi. Après, le portail m'intéresse, donc vous savez, j'ai quand même envie de claquer une ou deux multi de plus. Hein. Bon, on va claquer, je pense, 2 multi de plus. Parce que j'ai pas le Goku Namek, j'ai pas le Jubai. Pas que c'est des leaders qui me manquent, quoique le Goku Namek qui me manque, mais j'ai quand même pu faire le SBR sans. Donc voilà. Mais bon. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On repartira pas les mains vides. C'est déjà ça. Non, je pense qu'on va claquer genre 2 multi de plus. Parce que j'aimerais bien les avoir, les autres là. Le petit Jubai. Ainsi que le Goku Namek. Bon, ça c'est éclaté ça. Bon, bah, je pourrais clairement arrêter la vidéo là, hein, si je voulais. Hein. Mais bon, ce serait pas...
Bon, ce serait pas rendre honneur. Et puis le portail, je vous ai dit, il m'intéresse pour le coup. J'ai pas de doublon sur les couleurs, sur les virus, donc clairement, il est intéressant pour moi le portail. Donc on va forcer un peu. Ben voilà, le beau gosse, il est là. Ah, ça fait plaisir. Non, ça fait bien plaisir. Parce que je kiffe en plus sa catégorie. C'est une catégorie numéro 10, quoi. C'est les couleurs, le Freezer Int ZTUR Free to Play, qui est incroyable quand les ennemis font Goku en face. Le couleur quand il aura son Dokkan Fest, l'endurance aussi, enfin bon. Bon bah ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. On a déjà gagné. On va claquer 2 multis de plus, on n'y aura pas claquer plus, je pense. Parce que comme ça on restera au-dessus des 100 DS, et ça sera très bien comme ça. Et on se prépare pour le prochain portail, ça sera très bien aussi. Bon, là par contre je pense qu'on aura un peu moins de luck. Hein. Là c'est un peu plus moisi. Bah bon, on va pas se plaindre, on a déjà eu la vedette. Un double, peut-être? Non, on va pas abuser. On va pas abuser. Non, clairement, il y aurait eu que lui d'intéressant sur le portail pour moi, ou j'aurais eu tous les autres, même sans doublon, où j'aurais arrêté là. Mais là, il me manque le Jubai, que j'ai pas. Il me manque le Jubai, et qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Oui, il me manque le Goku Namek, qui me fuit. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'arrive à choper tout le monde sauf lui. Bon, là, ça sent la multi éclatée. Oh, déjà 100%. Bon, au moins, il montera sa spé, puisque j'ai pas monté sa spé. Bon. Bah, celle-là, c'est pas ouf. Hein. C'est lui, j'ai déjà 100% en mémoire. Hein. Ouais, il me semble que j'ai déjà 100%. Est-ce que le reste, ils peuvent servir à monter des spé? Ouais, non. Bon. Bon, ok. Bon, bah, la petite dernière multi. C'est la dernière, en espérant, allez, sors-moi, pour que la vidéo soit parfaite, tu me sors un Goku Namek ou un Jubai, et je suis content. Un Dokkan Fest! Donne-moi le bon, par contre, si tu me donnes Freezer Intelligence, ça va pas trop me plaire. Bon, ça, on savait qu'on avait un Dokkan Fest. Allez, clairement, oh putain, en plus, on a 3 SSR. Enfin, clairement, il y en a... Il y en a à peu près 5 du détecteur qui m'intéressent. Bon, bah voilà, on a déjà eu Dokkan Fest. Bon, c'est pas grave, c'est pas un nouveau, mais c'est un bon doublon. Hein. On va pas cracher dessus, hein. Couleur puissance, vous-même, vous savez. Hein. Tac. D'ailleurs, petite erreur de vidéo, vous avez le Gohan Ultime à droite. Là, j'ai oublié de changer la picture pour cette vidéo. Vous m'en voudrez pas, hein. Ça a rien à voir avec l'invocation, mais bon. C'est pas grave, maintenant que la vidéo est tournée, de toute façon, je vous ai dit, hein, j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment. Bah on prend, hein, si jamais un bon doublon quand même. Bon, on s'en est plutôt bien sorti pour ces invoques. Hein. Bon, on aura que le SSR détecteur en plus. Éclaté ça. Est-ce qu'on claque une petite multi en plus? Parce qu'il m'en manque quand même 2 là, j'aimerais bien les choper. Hein. On force ou pas? On sent lucky? Allez, on sent lucky, on en claque une. De toute façon, c'est pas tout de suite que je vais réinvoquer, donc allez, hop. Et de toute façon, les gros portails maintenant sur la Zap, il n'y en aura pas à avoir un moment. Oh non, pourquoi vous êtes venu? Ah, ça c'est bon. On a bien fait d'en racheter une petite en plus. Allez, pas le Freezer Int, juste, pas le Freezer, pas les autres, lui Freezer c'est bon, arrête, les Freezer c'est bon, à la limite le nouveau si tu veux, mais Jubai s'il te plaît, Jubai ou Goku Namek. Jubai ou Goku Namek. Ah, ça fait plaisir. Putain, depuis le temps qu'il me fuit, lui, vous savez pas à quel point je suis content de l'avoir. Parce que, elle est magnifique, la carte. Les spé sont magnifiques, la transfo est magnifique. Je bave dessus depuis un moment, et je l'avais pas, et là, voilà, il tombe. Là, la vidéo invoque, elle est parfaite pour moi. Le nouveau Freezer, le nouveau Goku, enfin, le nouveau pour ma box, en tout cas. Bon, c'est parfait. Que demander de plus? Pas grand-chose, en fait. Bon, là, du Goku, il m'en a donné à foison, mais bon, celui-là, Osef. Ah, ça fait plaisir. Là, la vidéo invoque, elle fait plaisir. Enfin, les invoques, pour moi, font plaisir. Mais pour vous, j'espère que ça
ce sera aussi satisfaisant pardon, pour de vous pour voir. Ah, j'arrive plus à parler, c'est l'émotion, les amis. Alors, on va faire un petit tour de ce qu'on a eu, histoire de voir en termes de taux, parce que j'ai même pas fait gaffe si en termes de taux on était bien. En tout cas, en termes de d'Okenfest, on est au-dessus des taux, ça c'est sûr. 4 multi, 9 SSR, donc faut enlever le SSR de la fin à chaque fois pour faire le taux. Donc ça fait 36 cartes hors garantie, et sur les 36 cartes hors garantie, on en a eu 5, donc on est au-dessus des taux en termes de SSR. Mais on est également au-dessus des taux en termes de Dokkenfest. Donc, vidéo très satisfaisante de ce côté-là. En termes de taux, on est nickel. On a eu le nouveau Freezer. On a eu le Goku Namek que je n'avais pas. On a eu un doublon du couleur. Franchement, parfait. Rien à dire. Moi, je rends la luck. Hein. Je vous la rends là. C'est bon. J'ai ce qu'il me faut là. Je vais avoir de quoi faire pendant les transports, pendant les temps morts que j'aurai. Je pourrai jouer à Dokkan et faire des trucs. Et m'occuper, donc je suis vraiment content, donc c'est vraiment cool. J'espère que de votre côté vous allez avoir autant de luck que moi. Je vous le souhaite vraiment. En attendant, je vous ferai sûrement un petit showcase si j'ai le temps. J'essaierai de trouver le temps de faire un showcase nouveau Freezer. Bon, en attendant, d'ici à ce que je vous revoie dans une nouvelle vidéo ou live, je vous souhaite à tous de passer de bonnes journées. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu de soutien, un petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Même si en ce moment il n'y a pas trop de contenu, mais j'en ai fait avant, donc vous avez des choses à regarder en attendant. Du coup, je vais vous souhaiter une agréable journée, et surtout, portez-vous bien, faites attention à votre santé avec la reprise du Covid, tout ça, faites attention à vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao !